Oui, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Quand j'étais dans la boue et mon père m'avait chassé de la maison, il avait honte de reconnaître que j'étais son fils parce que j'étais drogué, parce que, Seigneur, j'étais un agresseur. Tu es venu me rencontrer et mes yeux t'ont vu. Je réalisais que tu es amour. Je réalisais que tu ne m'as pas condamné, mais tu m'as aimé tel que j'étais. Tu m'as dit, Simplice, je veux faire de toi un pécheur d'homme. Oh, je suis le fruit de ton amour. Je suis le fruit de ton amour. Ce soir, nous chantons, nos yeux t'ont vu. Chacun de nous ici t'a vu d'une manière tantôt d'une autre. Chacun de nous t'a vu à l'œuvre. Oh Père, bénis ces derniers jours. Bénis ces derniers jours qui est le sixième jour. Parce que demain, on vient pour te célébrer. Mais nous allons clôturer nos temps de jeûne ce soir. Père, bénis ces instants. Seigneur, parle-nous encore. Viens nous édifier. Viens nous instruire. Viens nous équiper. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je te fais confiance. Utilise-moi pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut saluer simplement son voisin? Dis, voisin, je te salue dans la Pâque sans masque. Dans la Pâque, il n'y a pas Corona. C'est une dimension de foi, hein? Ça dépend de la foi de quelqu'un. Gloire à Jésus. Qui est béni jusqu'ici? Ce soir, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait comment ça va se passer. Il n'y a que lui aussi qui sait le message de ce soir. Ça vient d'où et où on va finir. Le thème, Léa me regarde. Le thème que je vais partager avec nous, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il y a deux, bon, je peux appeler ça prénom ou nom. Bon, tu choisis, hein. Si tu veux appeler ça prénom ou nom. Donc, je peux dire il y a deux noms ou deux prénoms condensés. Jésus et Christ. Jésus veut dire sauveur. C'est lui qui est 100% homme, qui a pris la forme humaine et qui est venu pour sauver l'homme. C'est ça, Jésus. Christ veut dire oint. Christ veut dire l'onction. Christ veut dire aussi le Messie. Donc quand on dit Jésus-Christ, on met le Sauveur et l'onction, c'est-à-dire Dieu, pour la résurrection. Quelqu'un comprend? Donc il n'y a pas de résurrection seulement avec Jésus. Quand je chasse le démon au nom de Jésus, il peut me résister. Mais quand j'ajoute au nom de Jésus-Christ, Dieu rentre en action. Les démons fléchissent. Quelqu'un me comprend? Donc, il faut lier les deux.
Parce que dans la Bible, il y a aussi un magicien qui se nommait Bar-Jésus. Donc il y a plusieurs Jésus. Mais ce qui fait la différence avec notre Jésus, il y a le Christ. Le Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Donc notre thème, Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a pris la forme humaine et qui est Dieu, c'est lui qui opère la résurrection et la vie. Si je peux reformuler, bien sûr que oui. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Combien même il serait comment mort. Je reprends. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Mais suivez-moi, donnez-moi mon... Vous êtes là, vous devez me suivre. Mon petit thème est parti, vous ne suivez pas. Ça, c'est mon message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je relis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Combien même il serait comment mort. Ce passage nous relate l'histoire d'une famille qui était tellement proche de Jésus. Et je parle de Marthe, Marie et Lazare qui habitaient Béthanie. Et Jésus, lorsqu'il voulait se rendre à Jérusalem sur la montagne pour prier, il passait par Béthanie, n'est-ce pas? Il passait par Béthanie, il se logeait là-bas, il se reposait là-bas, il mangeait même là-bas. Et je pense que c'est la seule famille que la Bible met l'action où Jésus pouvait aller se loger, où Jésus pouvait aller manger. Jésus n'allait pas n'importe comment, n'allait pas chez n'importe qui. Donc vous pouvez voir l'intimité, la relation qui existait entre cette famille et Jésus. Et cette relation nous donne l'image d'un chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a eu une intimité. Donc quand je parle de Marthe, de Marie et Lazare, je parle de toi chrétien avec Christ. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Un jour, Jésus arrive à Béthanie. Mais il ne se rend pas chez Marthe. Il ne se rend pas chez Marie. Parce que lui-même, il avait déjà planifié ce qui devait arriver. D'habitude, avant d'aller sur la montagne, il passe. Après la montagne, il descend. Mais ce jour-là, il est parti directement sur la montagne. Sans passer, rendre visite à cette famille. N'est-ce pas qu'il est omniscient? N'est-ce pas qu'il est omnipotent? N'est-ce pas qu'il est omniprésent? En fait, Jésus avait déjà planifié l'histoire de Lazare. Parce que rien ne peut surprendre Dieu. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, parfois nous sommes surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Il nous arrive parfois de dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ma situation? Oh, il est le maître des temps et des circonstances.
avant que la situation t'arrive, lui, il est le maître. C'est-à-dire, il n'est pas dans le temps, mais il est en dehors du temps. Il regarde le temps, il regarde les situations et il décide ce qu'il veut. Et Jésus avait vu le temps, avait vu la circonstance auquel Lazare était lié et lui, il était hors. Il dit, non, je ne veux pas aller parce que je suis hors. Je vais directement sur la montagne. Et j'aimerais te dire, il y a des situations parfois que tu es en train de traverser. Tu as l'impression qu'il n'est pas avec toi. Non, il est avec toi, mais il est hors cette situation. Parce que s'il est dedans, il ne peut pas contrôler la situation. Alléluia! Il faut qu'il soit hors. Il regarde bien la situation et il peut ordonner. Et pendant qu'il était sur la montagne, avec ses disciples, les deux sœurs de Lazare, lorsqu'ils ont vu que Lazare était mourant, lorsqu'ils ont constaté que la situation de Lazare était la mort, ils ont dit, écoutez, au niveau où Lazare est arrivé, si on appelle docteur Roy, docteur Gaël, docteur Aristide, les docteurs de l'église ciel avec leur onction. Dédé. Ils ont dit, écoutez, nous devons faire recours à qui? À Jésus. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, je comprends, on peut faire recours à Jésus avec doute. On fait recours à Jésus historiquement. Parce qu'on sait qu'il guérit, mais pas avec foi. La Bible dit, elles ont envoyé quelqu'un. L'envoi ici, c'est l'image de nos requêtes que nous présentons à Dieu. Donc, je peux présenter mes requêtes à Dieu avec des lèvres, mais ça ne vient pas du cœur. Elles ont envoyé quelqu'un. La personne arrive sur la montagne, connaissant l'histoire qui liait Jésus avec cette famille. Et la personne présente la requête avec aisance. Vous savez, des chrétiens qui ont tellement d'intimité avec Dieu, des chrétiens qui vivent dans la sanctification, lorsqu'ils parlent à Dieu, ils ont une conviction, ils ont une assurance. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'écoute. Détrompe-toi. Dieu n'écoute pas parce que tu es saint. Dieu n'écoute pas ou il n'agit parce que tu es pur. Dieu agit en son temps. Ça ne dépend pas de ta vie de prière. Ça ne dépend pas de ton intimité avec lui. Ça ne dépend pas de tes jeûnes. Mais ça dépend de l'horloge céleste. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. On dit en son temps. Ceci dit, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix, je fais allusion au temps, vos voix ne sont pas mes voix. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais comme il est le maître de temps, il peut influencer tes voix. Il peut changer tes voix. Il peut te prendre là où tu t'es situé dans la galère et t'emmener dans la bénédiction. La personne présente, Seigneur, regarde comment il dit, Maître, c'est lui que tu aimes. C'est mal connaître mon Jésus. Il n'est pas émotionnel. Il fonctionne selon l'esprit. Il fonctionne selon quoi? L'esprit. Alors si c'était moi, on se vient dire, papa, Tania, je suis émotionnel. Tania, donne-moi le téléphone. Tania, ça va? Tania, ça c'est simpliste. Mais Jésus. Au fait, c'est lui que tu aimes. Il dit oui, et après tout, c'est quoi? Vas-y. Au fait, avant même que l'envoyé parle, Jésus savait. Celui que tu aimes est malade.
Et la Marthe et Marie m'ont envoyé te dire, il n'y a que toi, viens. Et si tu l'imposes les mains, la mort va passer outre. Jésus regarde l'envoyé, celui qui était venu avec ses requêtes. Il y a des moments où Jésus aussi regarde tes sujets de prière. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je sais que si tu fais ça, je vais bénir ton œuvre. Tu penses que tu peux l'acheter? Alléluia! Seigneur, Seigneur, à l'église, moi, je me suis engagé. Tu t'es engagé pour sa gloire, tu t'es engagé pour loterie. Il n'y a pas de loterie avec lui. D'abord, tu t'engages parce que tout ce que tu possèdes, c'est pour lui. Donc, tu dois être engagé. Tu n'es qu'un gestionnaire. Parfois, on croit ce qu'on fait, on peut changer la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu ne peut bouger d'un iota. Elle est stable. De génération en génération, elle reste stable. Le temps qu'il a fixé pour te visiter, si ce n'est pas encore arrivé, Dieu n'est pas pressé. J'aimerais que l'Église comprenne ça. Alléluia. Alléluia. Celui que tu aimes. Jésus dit, il dit à ce monsieur, écoute, va dire à Marthe et à Marie, j'arrive. J'arrive. Donc il y a des moments où tu pries, tes requêtes arrivent, il regarde ça. Il dit, j'arrive. Quelqu'un m'entend? J'arrive. Et la Bible dit, Jésus resta encore combien de jours? Deux. Deux jours. Alors, selon la mathématique de Dieu, un an est égal à 1000 ans. Donc, si un an est égal à 1000 ans, maintenant 2 ans. 2 jours est égal à quoi? 2000 ans. Maintenant, toi, tu dis, mais Seigneur, on m'avait dit 2 jours. Alors, 2 jours pour Dieu, ça peut être 2 ans. 2 jours pour Dieu, ça peut être 2 mois. Mais dans le 2, il y a le 2. Dans 2 mois, il y a 2. Dans 10 ans, il y a 2. Dans 20 ans, il y a 2. Ok, quelqu'un dit, avance encore un peu. Ok. La Bible dit qu'il reste 2 jours et il fait une poésie. Moi, j'appelle ça la poésie. La maladie de Lazare n'est point à la mort. Waouh! Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Ah, Dieu, c'est un poète. Donc, j'ai compris. Si Dieu, si tu veux voir Jésus parler, il faut que tu aies un problème. Parce que si Lazare n'était pas malade, Jésus ne devait pas être poète sur la montagne. Hey, hey. Il dit, la maladie. Oh, imagine un peu, Ismaël vit en courant. Papa Tania est mourant. Et c'est l'onction que Dieu a mis dans mes mains. J'ai dit, Ismaël, rentre. Je vais venir dans 2 jours. Je pense qu'il sera déjà abattu. Au moment qu'il est en train de rentrer, il a déjà décidé de quitter l'église. Ma femme! Ah, Ismaël aime Tania. Hein? Ah, je vous assure. Tania, je te le dis. Hein? J'affirme. Et je confirme. Il devait dire, je suis allé voir ton papa. Écoute, on va voir le pasteur Mignane. Il va prier. C'est aussi son ami, non? On va. Alléluia. Jésus n'avait pas peur de perdre Marthe et Marie dans son église.
Il ne voulait pas leur faire plaisir, mais il voulait juste accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort. Mais qui parle un langage qui dit combien même la situation en phase terminale, mais il ne mourra point. Qui? Celui qui est la résurrection et la vie. Parce que pour parler avec une assurance, tu dois avoir le pouvoir sur la mort. Pour parler avec cette conviction, il faut dompter la mort. Je disais, en parlant de cette famille, de Lazare, Marthe et Marie, il s'agit de toi. Les Marie et Marthe, ils avaient envoyé la prière. C'est quand tu pries. Lazare, c'est celui qui a des problèmes. Et je sais qu'en Afrique, on a tous des problèmes. Donc on est des Lazare. Qui n'a pas de problème ici? On est des Lazare. Pour lui, c'était la maladie. Pour toi, ça peut être la galère. Ça peut être les études te fatiguent. Le professeur explique. Tu es Lazare. Ta tête est bloquée, c'est la mort. Tu as pris le sujet pour le mémoire. 2 secondes, le sujet change. Après 2 semaines, tu n'es plus convaincu du sujet. Tu prends un autre sujet. Tu donnes ton encadreur dit non, change le sujet, c'est pas ça. Et tu es bloqué, Lazare. D'autres Lazare, c'est le mariage. Quelqu'un qui avait dit, à moi, dans ma destinée, tu as fait des proclamations comme les sœurs de Lazare qui avaient envoyé la prière à 23 ans, casées. On ne va pas me trouver à dormir avec divine. Non. J'ai dit sur le mot divine. Il y a beaucoup de divines dans la cité. Moi, à tel âge, je serai chez moi. C'est des prières que tu envoies chez Christ. Il a regardé, mais il a dit que ta prière n'est pour la mort. Mais elle va glorifier Dieu. 24 ans, tu seras chez toi, chez tes parents. Mais pour la gloire de qui? De Dieu. La Pâque d'aujourd'hui est compliquée. Alléluia! Moi, à tel âge, le chiffre d'affaires doit toucher, ça doit être des millions. Mais tu n'as même pas 500 000. Lazare. Quand je vais me marier, les premières années, j'ai mes jumeaux. Lazare. Il y a plusieurs domaines, nous sommes des Lazare. Des petits Lazare, des grands Lazare, des mémés Lazare, des mignons Lazare. Mais je préfère être Lazare parce que si je suis Lazare, Jésus va parler. Alléluia! Si je suis chérubin ou simple ou Léa, Jésus sur la montagne ne parle pas. Jésus a besoin de Lazare pour faire la poésie. Dis, pasteur, c'est moi ce Lazare-là. Dis, c'est moi. Parce que ce soir, il a une poésie pour moi. Et j'imagine un peu en train de le voir, en train de parler à mon sujet. Dis à ton voisin. Dis, tu sais ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire que ma situation n'est point à la mort. Ma galère n'est point à la mort. Mes circonstances ne sont point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut se glorifier de ma situation. Alléluia. Il reste
reste 2 jours et Lazare meurt. Ça devient encore grave. Imagine, j'ai dit à Ismaël, je vais dans 2 jours, Tania meurt. Et gaillardement, je vais venir voir Ismaël. Par politesse, il va peut-être me dire, mais dans le cœur, tu es venu faire quoi? Faut pas blaguer, ce monde-ci. Même si c'est moi-même, tu es mon pasteur, dans le cœur, je vais dire, tu es venu faire quoi? Faut se dire la vérité. Et Jésus dit à ses disciples, écoutez, on doit descendre de la montagne, aller chez les Marthe, on va aller réveiller Lazare parce qu'il dort. Ah! Quel est cet homme qui appelle la mort par sommeil? Et c'est cet homme que toi tu viens adorer. C'est cet homme que tu élèves nuit et jour. Et quand tu as des problèmes, tu oublies qu'il a appelé la mort par sommeil. On peut être ignorant comme ça. Il dit que Lazare dort. À ce que je sache, si je viens chez les Bicielos et j'arrive, on m'avait dit que non, Gaël, ça fait 3 mois il ne dort pas. La nuit, la journée, il ne peut pas dormir. Elle est agitée. Et quand j'arrive, son mari me dit que Gaël est en train de dormir. Ça veut simplement dire que sa soeur est en train comment? Anormal. Donc Jésus voit la normalité dans la vie de Lazare, alors que Lazare, dans la réalité, tout n'était pas normal. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu te regarde, il voit que c'est normal. Et toi-même, quand tu te regardes, tu dis que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas comme Dieu voit. Abraham se voyait jusqu'à cet âge de 25 ans. 75 ans, j'allais dire. Normal de rester chez son père. De cohabiter avec le lit qu'il partageait avec son frère. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais Dieu le voyait grand. Alléluia. Il dit à ses disciples, on doit descendre. Et quand Jésus arrive, il descendait de la montagne. L'une des sœurs de Lazare, Marthe, a aperçu Jésus au loin. Elle a couru. Elle vient, elle tombe à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, pendant qu'il agonisait, tu disais seulement un mot, il ne serait pas mort. Jésus le regarde. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Pendant que lui, elle a perdu l'espoir. Dans sa manière de présenter la situation à Jésus, Lazare ne serait plus ressuscité parce que tu n'étais pas là. Si tu étais là, la mort n'allait pas l'engloutir. Mais comme tu étais absent, j'aimerais te dire, Dieu n'est jamais absent. Pour Marthe, Jésus était absent. Non, Jésus sur la montagne attendait l'heure de la glorification. Et j'aimerais te dire pour ta situation, Dieu a une heure, il veut se glorifier. Il a une heure. Il a son timing. Ça ne dépend pas de ses 7 jours de jeûne et prière. Ça dépend de son temps, de son heure, de son timing et de son horloge céleste. Jésus, il dit à Marthe, je suis
la résurrection et la vie. Et Marthe dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Ah! Il avait tellement lu la Bible, il savait qu'au dernier jour, on sera ressuscité avec Christ. Mais la puissance de Christ ne s'active pas seulement dans les derniers jours. Il est lui-même puissant. Sa puissance agit dans le présent. Ça peut agir dans le passé. Et ça peut agir dans le futur. Sa puissance est illimitée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir pour aller dire à sa sœur, Jésus est là. Sa sœur aussi vient en courant, elle arrive, elle tombe sur ses pieds. Elle confesse le même langage. Et c'est ce que nous faisons nuit et jour des chrétiens. La Pâque, c'est la résurrection. Quand tu remarques un domaine de ta vie qui ne marche pas, tu dis, ah, la Pâque là est passée. Ah, chrétien, Dieu nous aide. Marthe, elle tombe. Elle dit, Seigneur, en pleurant, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 35, la Bible dit, Jésus pleura. Quand elle a regardé la réaction de Marthe et Marie, qui n'avaient plus la foi, qui ne croyaient plus à la résurrection, à la limite, ils ont rendu la puissance de Jésus inutile. Jésus pleura. J'aimerais te poser la question. Dans quel domaine tu fais pleurer Jésus? Quand tu regardes ta situation, tu es désespéré, tu ne sais plus que faire. Ce manque de foi, ce manque d'assurance vis-à-vis de Jésus, il pleure. Quand tu paniques, Jésus dit, oh, même toi, Sonia, tu peux paniquer. N'est-ce pas qu'un jour je t'avais donné la victoire? N'est-ce pas qu'un jour tu as vu ma main? Mais pourquoi cette situation? Tu ne crois pas que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement? Ce qu'il a fait hier, il peut le faire demain. Il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire après-demain. Tout ce qu'il fait annonce de futures solutions, de futures victoires, de futures résurrections. Fais de chaque visitation de Jésus-Christ, fais de chaque victoire de Jésus-Christ une plateforme pour de futures victoires. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait est objectif. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence une œuvre, il achève. Et si tu as visité un jour, tu sais que tu es déjà dans l'enregistre de visitation. Tu es enregistré, programmé pour être visité selon le temps et l'heure qu'il a fixé. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis dans le registre de Dieu. Un jour, il m'a visité. L'année passée, il m'a visité. Même si aujourd'hui, je ne suis pas encore visité, par la foi, je sais qu'il agira. Mon rédempteur se levera le dernier. Alléluia! Il se lève le dernier. Pourtant, il est aussi le premier. Mais il veut faire voir. Il veut simplement te déposer dans la barque et laisser le vent agiter la barque et voir comment tu vas réagir. Tu es dans la barque. Raison pour laquelle tu es cet homme Lazare. Alléluia. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il demande, vous l'avez mis où? Ce que j'aime avec lui, même quand la foi de Marthe et Marie a failli, ses objectifs de visitation n'ont pas changé. Oh, il n'y a que lui qui peut être ainsi, ainsi grand, ainsi merveilleux. Dieu, pour te visiter, il ne dépend pas de ta foi. Parce que c'est lui l'auteur de la foi. En lui, il y a la foi.
Il croit à ses projets te concernant, que tu crois ou pas. Comment ce brigand la croit? En une fraction de seconde, se retrouve au ciel. Il a été destiné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le King? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Et vous savez quoi? Jésus, il dit, vous l'avez mis où? On vient montrer la tombe. Là où Lazare était déjà enseveli. C'est quelque chose de formidable. Jésus regarde la tombe. Il dit, ôtez la pierre. Oh. Pourtant, pour une fraction de seconde, Jésus pouvait faire ça, la pierre saute. Il avait la capacité, lui. Parce que c'est lui qui a créé la pierre. Toute créature obéisse à sa voix. Mais ce n'est pas lui qui va ôter la pierre. Il dit, vous-même ôtez la pierre. Si tu veux vivre la résurrection, il faut que tu sois capable de ôter la pierre. La pierre des doutes. La pierre de l'incrédulité. La pierre de désespoir. Ce soir, ôte la pierre. Parce que Jésus se tient devant la tombe. Il veut te ressusciter ce soir. Il veut ressusciter ta santé. Il veut ressusciter tes finances. Il veut ressusciter ton mariage. Il veut ressusciter tes études. Mais il dit, ôte la pierre. C'était la condition sine qua non, ôter la pierre. Ce soir, ne sois pas celui ou celle qui va empêcher Jésus de ramener à la vie ta destinée. Il veut simplement que tu ôtes la pierre. C'est-à-dire que tu crois qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Aujourd'hui, comme Jacob, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Pierre, s'il te plaît, quitte. Je veux que mon Seigneur opère la résurrection. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, il a prononcé la parole. Il a prononcé quoi? La parole. Bien-aimé, au commencement était la parole. Quand Dieu veut commencer une visitation, quand Dieu veut commencer une destinée, quand Dieu veut commencer une victoire, quand Dieu veut commencer une élévation, il commence avec sa parole. Dieu n'a jamais agi en dehors de sa parole. Dieu n'a jamais béni en dehors de sa parole. Dieu n'a jamais créé un miracle hors sa parole. Il commence dans sa parole, il termine dans sa parole. Raison pour laquelle David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Alende kamahende londa haya linde le mande le bossa ya hige baya oh andelo shikabre hale brande le maifada ta parole vérité oh alléluia ta parole vérité parole vérité. Amen. Oh, alléluia. Ta parole est vérité. Amen.
dans la vie. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, ta parole est vérité. Oh, alléluia. Ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole m'a restauré. Ressuscité. Oh, alléluia. Ta parole m'a ressuscité. Oh, ah. Oh, Jésus, ta parole me donne la foi. Amen. Oh, alléluia. Ta parole me donne la foi. Amen. Oh, Jésus, ta parole me donne la vie. Oh, alléluia, ta parole me donne la vie. Oh, ta parole est vérité. Oh, alléluia, ta parole est vérité. Oh, Shiloh, ta parole est vérité. Oh, ta parole. Au nom de Jésus, la mort est vaincue. Amen. Ta parole est vérité. Au nom de Jésus, le célibat est vaincu. Oh, alléluia. Ta parole est vérité. Au nom de Jésus, la malade est vaincue. Amen. Oh, la parole est vérité. Au nom de Jésus, ce soir Jésus plus que vainqueur. Amen. Oh, alléluia. La parole est vérité. Amen. Oh, Jésus, ta parole m'a restauré. Jésus, ta parole me donne la paix. Amen. Me donne la paix. Ta parole me donne la paix. Oh, Jésus, ta parole me donne la vie. Amen. Ta parole me donne la vie. Au nom de Jésus, ta parole me donne la gloire. Amen. Ta parole me donne la gloire. Amen. Oh Jésus, ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Ta parole est vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Shiloh d'Israël? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui dit un mot et la chose arrive? Restez debout. Restez debout. Jésus arrive devant le supplicié. Il arrive devant le trône. Il dit, Lazare. Raison pour laquelle je disais tantôt, ce soir, tu peux t'approprier le nom de Lazare. Parce qu'il va t'appeler. Certainement, tu avais honte que les gens sachent que ta situation était Lazare. Ce soir, n'aie pas honte. Certainement, il y a des choses qui ont le nom de Lazare, mais tu ne veux pas que le pasteur soit au courant. Tu ne veux pas que ton responsable de département soit au courant. Tu ne veux pas que ta femme, ton mari, tu ne veux pas. Mais ce soir, dis Seigneur, c'est moi Lazare. Parce que devant lui, tout est nu. Ce soir,
il va appeler celui ou celle, sa situation est similaire à Lazare. Et Lazare entend la voix du Seigneur. La situation qui est similaire à Lazare va entendre l'ordre divin. Parce que la parole est créatrice. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui existe a existé sans elle. En elle était la vie. Et c'est lui la résurrection et la vie. La vie n'est pas dans une église, mais la vie est dans la parole. La vie n'est pas chez le pasteur, la vie c'est Jésus. Alléluia. Il dit Lazare. Moi j'utilise même, je parle fort. Il parle doucement, sûrement et puissamment. Vous savez, les gens qui font du bruit, c'est des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Et comme Jésus est sûr de lui, Lazare, mais comment quelqu'un mort, tu l'appelles comme si c'était, c'est comme s'il dormait. Mais lui, il a appelé la mort, sommeil. Quand Jaïrus allait le voir, pour ramener son enfant qui était décédé autant pour moi. Quand il est arrivé, il a demandé à ceux qui jouaient les flûtes, à ceux qui jouaient les tambourins, tout ça. Il dit, arrêtez, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens disent, mais ça ne va pas. Je suis venu te dire, la situation qui apparaît comme décès. Dans le pays d'où je viens, on appelle ça Koufa Lobby. En français, on dit quoi? Hein? Qui? Il peut mourir demain. C'est une Togolaise qui a dit. Hein? C'est pas une Congolaise. Même il y a 16 ans, elle ne savait pas c'est quoi. Gaël qui vient de se marier une année, elle ne sait pas. Bon, le Congolais, si vous les laissez aussi, c'est votre problème. Donc, je disais, ta situation qui apparaît comme hein, qui mort demain, qui va mourir demain. Jésus veut simplement te dire non, c'est pas de la mort sur le sommeil. Et aussi longtemps que la situation dorme, ça va faire quoi? Se réveiller. Et Jésus est venu réveiller ta situation. Amen. Regarde ton voisin. Dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu croyais comme mort, je te le dis que c'est un sommeil. Alléluia. Quand on parle de la Pâque, on parle de la résurrection. Et Jésus, avant que lui-même il soit ressuscité, il a ressuscité d'abord les gens. Ces personnes étaient les prémices de sa résurrection. Et ce soir, avant la résurrection de Jésus demain, il va d'abord ressusciter ce qui est mort en toi. Donc nous-mêmes on est ressuscité. Et on vient célébrer avec nous la résurrection. Donc imagine demain comment on va danser. Demain je serai en basket parce que je vais danser. Je ne mets pas de chaussures. Basket. Parce que j'ai 7 danses de la Pâque. 7. Et je défie Léa et Tania et Gaël. Alléluia. J'ai défié aussi Arnaud. Demain, je le veux ici. La jeunesse, si votre responsable n'est pas là, vous êtes maintenant des vieux. Gloire à Jésus. Amen. Dis, voisin, en vérité, je te le dis, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et il a décidé ce soir de d'abord te ressusciter. Et lui, demain, il va ressusciter. On fait que la Pâque soit complète. Oh, my soul.
Bless the living.